cette série, Pretty Little Liars, la saison 1. Présentation de la série. La réalisatrice est E. Marlene King. Les acteurs principaux sont Lucy Hale dans le rôle d'Aria, Troyan Belisario dans le rôle de Spencer, Ashley Benson dans le rôle d'Anna, Shay Mitchell dans le rôle d'Emily, Sacha Peters dans le rôle d'Allison et Ian Harding dans le rôle d'Ezra Fitz. Les épisodes sont en général 43 minutes. Il y en a 22 dans cette première saison. J'ai mis la note de 10 sur 10. Le résumé. Ne jamais faire confiance à une jolie fille qui cache un vilain secret. Rosewood est une parfaite petite ville qui cache un grand nombre de secrets. Le plus terrible de tous concerne ces quatre plus jolies jeunes filles. Aria, Spencer, Anna et Emily. Des amies dont les plus noirs secrets sont sur le point d'être dévoilés. Un an plus tôt, leur leader Allison est porté disparu et les filles cessent d'être les meilleures amies du monde. Mais voilà qu'aujourd'hui, elles reçoivent des messages de A concernant des informations que seule Allison possédait. A révèle leurs secrets, surveille leurs allées et venues et profère des menaces particulièrement alarmantes. Les filles se réunissent pour découvrir qui est derrière tout ça. Allison est-elle de retour? Ou bien est-ce que quelqu'un d'autre se cache derrière A? Entrez dans la confidence avec la saison incomplète de cette passionnante nouvelle série, inspirée par les romans à succès de Sarah Shepard. Vous serez très vite accro. Qu'ai-je pensé de cette saison 1? Comme le dit le résumé, je suis accro à cette série très girly, mais à suspense. Les héroïnes sont attachantes, on a envie de savoir ce qui va leur arriver. Aria est une jeune fille qui, avant le début de la série, avait des mèches de cheveux roses, a vécu un an en Islande, suite à l'infidélité de son père avant de revenir aux États-Unis. Elle rencontre Ezra Fitz dans un bar. Entre eux, c'est le coup de foudre. La jeune fille verra plus tard qu'Ezra sera son professeur de littérature au lycée, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre la relation. Spencer est très fortuné. Dans sa famille, il faut être excellent dans tous les domaines. Elle ne s'entend pas avec sa sœur aînée, Melissa, mais cela va un peu s'améliorer au fil des épisodes. Emily est passionnée de natation et rêve d'en faire son métier. Elle vit avec sa mère, son père est militaire et très souvent absent. Elle est homosexuelle, mais le vit très bien. Allison, même si on ne la voit quasiment pas, est manipulatrice. C'est une garce, excusez-moi le mot. Anna est une fille populaire, mais ne l'a pas toujours été. En son enfance, elle était ronde et était mal dans sa peau, car tout le monde se moquait d'elle. Ses parents sont divorcés. C'est la plus humaine de toutes les amies, douce et gentille. C'est ma préférée. Ezra Fitz a 26 ans et enseigne la littérature au lycée. Il tombe sous le charme d'Aria dans un bar sans savoir que ce sera une de ses élèves. Il a une relation secrète avec la jeune fille. Il est protecteur. La série est pleine de suspense. Qui est A? Une fois que l'on commence, on ne s'arrête plus. J'ai commencé la saison 2 directement après la fin. Entre amour, amitié, qui croire? La fin est super flippante. Je recommande, mais je vous conseille de ne pas trop la regarder le soir. Vous risquez de cogiter. J'ai aimé tout. Je n'ai pas aimé rien du tout. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao !